Yo, salut à tous, c'est Impulse. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très très bien, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit commentary en fait sur une vidéo training qu'on a réalisée avec Alex Bich en commando et en support sur la map Markov Station. Donc c'est un training en fait préparatoire à l'International Community Tournament. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on perd tous du ranking. C'est parce qu'on est vraiment en train de travailler l'aspect teamplay du jeu. On est en train de peaufiner notre gameplay teamplay. Et c'est pour ça que ça coince encore un peu. On n'est pas trop habitué à jouer comme ça. Je vais enlever ça. Aujourd'hui, en fait, on se retrouve pour une vidéo réaction. Ce matin, j'ai vu sur ma chaîne YouTube qu'on me disait « Salut Impulse c'est pas bien ce que tu fais en ce moment de critiquer certains top 5 Europe comme ça. C'est devenu monnaie courante chez les Demon Insight, faut faire attention. » J'aimerais réagir là-dessus en fait, et puis comme ça, tenir un peu tous au courant de ce que je pense et de ma façon de voir les choses. Vous devez me connaître maintenant, je suis quelqu'un de droit et d'honnête. Je dis la vérité et surtout je dis ce que je pense, je donne mon avis sur ce que je vois. Et moi ça me fait un petit peu mal au cœur. Étant ancien joueur de GRP, je suis là depuis le premier jour de la bêta, de voir des mecs comme ça. Alors faut savoir que je crache sur personne, je suis là pour dénigrer personne. Mais il faut savoir que personnellement je trouve pas ça normal que des mecs, sous prétexte qu'ils aient des écrans 144 Hz, disposent de performances supérieures aux nôtres. C'est à dire que là, je vais donner les pseudos, je parle plus particulièrement de Mick et de Blady. Outre les suspecter d'utiliser quelque chose de malhonnête, ce que je reproche en fait, pas forcément aux joueurs mais au jeu, c'est de donner la possibilité aux mecs qui ont une machine de puissance supérieure et un écran de fréquence supérieure de disposer de capacités de gameplay supérieures aux nôtres. C'est là où ça me fait un petit peu mal au cœur. Et on remarquera très facilement sur les vidéos de Blady qu'il n'utilise pas que cet avantage-là. Je vais vous laisser voir ici... je fais une petite pause dans le gameplay. Je vais vous laisser voir ici une vidéo de 2 minutes 30 du joueur Blady. Il joue à la M249 SP Halloween, donc une arme tout sauf stable. Vous pourrez l'essayer, je pense que voilà, comme j'ai déjà pu le voir... J'ai déjà pu le voir dans mes commentaires. Les gens se sont intéressés à ce que j'ai dit et sont justement allés se renseigner sur le personnage. C'est aussi pour ça que je parle souvent de ces joueurs-là. Le mec, en fait, fait des trucs plus que suspicieux. Déjà, son arme tire hyper linéairement. Elle tire vraiment très très droite pour une SP. Même moi, la K200, j'étais pas aussi précis. Et pourtant, pour dire, je dis pas que je suis une machine de guerre ou quoi que ce soit. Mais je dis quand même que voilà, j'ai une certaine expérience de jeu pour pas dire que je me débrouille plutôt... convenablement pour quelqu'un qui joue depuis longtemps. Je me débrouille correctement, je sais faire mon travail et surtout je sais tenir mon arme, et je l'ai prouvé à plusieurs reprises. Bref, c'est pas ça le truc. Tout ce que je voulais exposer ici, c'était la différence entre une arme SV qui est axée sur la précision longue distance et une arme suppression qui est axée bordel cover, que le mec maîtrise mieux qu'une arme SV. Je veux dire, voilà, c'est assez problématique. Et ces joueurs-là, malheureusement, ont une certaine avance sur nous, que, voilà, vous n'aurez jamais. Vous aurez remarqué aussi que c'est pareil pour Mick. Moi, je l'ai connu sous un autre pseudo, donc je vais pas le dire. Je vais pas vous le divulguer. C'est un ancien joueur qui a déjà été banni, qui est revenu en jeu sous le pseudo Mick. Blady est un nouveau joueur. Blady a débarqué il y a environ à peu près deux mois, quelque chose par là. Vous pourrez regarder les anciennetés de ses vidéos YouTube aussi. Ça confirmera mes dires. Le mec a débarqué il y a deux mois. Et vous vous posez pas la question de pourquoi il est aussi fort, de comment il arrive à des résultats comme ça. Dites-moi si quelqu'un d'entre vous a réussi à acquérir ce niveau-là en à peu près deux semaines. Même la moitié de son niveau. Si vous arrivez à des résultats comme cela, au bout de trois mois, c'est quand même un réel problème.
nous, on est obligé de s'entraîner régulièrement, de fournir des performances de malade mental. On est obligé de fournir des performances de fou. Clairement. De s'entraîner, de pas lâcher l'affaire. Vraiment de travailler durement pour arriver à des résultats comme cela. Et les mecs, ils débarquent, ils claquent leur machine sur la table, pof, je suis là parce que j'ai 144 MHz sur mon écran. Je trouve pas ça normal. Je trouve vraiment pas ça normal. Et c'est un peu le problème que j'essaye d'exposer à chaque fois que je parle de ces joueurs-là. Alors oui, j'ai peut-être un franc-parler assez fort. J'expose peut-être pas assez le fond de ma pensée. Je devrais peut-être vous faire plus de commentaires comme ça pour vous donner mon avis ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est plus à vous que je pense en fait quand je fais ce genre de réflexion et vous en rendez pas compte. Parce que moi, ça va, je m'en sors à peu près contre des joueurs comme ça. Vous verrez, il y a même une vidéo où Blady s'est filmé et puis a marqué Blady 95 versus White Shark 67. Voilà, il s'est éclaté. Donc voilà, mon nom veut quand même dire quelque chose quand même pour lui aussi. Il me considère entre guillemets comme un grand joueur et j'en suis super honoré. Sauf que moi, on voyait très clairement que j'avais aucune chance de rivaliser contre lui. Je le suspecte carrément d'IMBot. Moi, je vous expose ma version des faits. Vous pourrez regarder. Si vous avez bien fait attention à la vidéo que je vous ai mis là, voilà, c'est clairement au minimum une aide à la visée. Donc, il a un no recoil et une aide à la visée. Au minimum, si ce n'est un IMBot. Un mec a son viseur qui part partout, il déchire la gueule à tout le monde. Et il n'est pas banni. Il joue clairement pas honnêtement et je trouve pas ça normal. Vous me connaissez aussi très bien là-dessus, ma position quant au cheat. Je suis complètement anti-cheat. Mais complètement anti-cheat. Je ne supporte pas les mecs comme ça, je ne peux pas les voir comme ça. Et pour moi, des types qui ne jouent pas honnêtement comme ça ne méritent pas de rester en jeu. Pour moi, c'est une vraie plaie de les avoir en face. J'ai aucun plaisir de jeu. J'ai vraiment aucun plaisir de jeu. Je préfère affronter les FCT que je n'aime pas forcément parce que je joue pas de la même façon qu'eux et surtout je supporte pas leurs problèmes d'ego. Bon, ça c'est mon point de vue personnel, encore une fois, je vous le partage, rien ne vous oblige à le prendre. Encore une fois, c'est une vidéo commentaire pour exposer ma façon de voir les choses. Bref, ce que je disais, c'est que je préférais encore jouer contre les FCT qui étaient bons, mais qui campaient un petit peu. Enfin, un petit peu beaucoup, on va se l'avouer. Mais voilà, qui ont un certain talent naturel, et je me cache pas de le dire. Chez les SEC et les FCT, il y avait des grands joueurs. Il y avait aussi des trous de balles de glitcher que je supporte pas non plus. Ça, pour moi, c'est pareil que le cheat, le glitch, hein, ça a aucun intérêt de glitcher comme ça. Mais voilà, le fond de ma pensée en est là. Je ne supporte pas les glitchers, je ne supporte pas les cheaters, et puis les mecs qui jouent un degré au-dessus des autres personnes, je supporte pas ça. Alors, même moi qui ai une machine de folie, je me cantonne aux 60 FPS. Parce que voilà, pour moi, si tu veux être un bon joueur, faut apprendre à jouer comme les autres, mieux que les autres, c'est tout. Non. Moi, je suis arrivé à ces résultats-là, pas parce que j'avais un écran 144 Hz ou que j'avais overclocké la fréquence de mon bus. Et j'ai même offert mon rapport overclocking à Titou des SEC, qui se demandait si j'avais pas du FSB sur... ma machine, et je lui ai montré que non. Il m'a fait le test FSB, je lui ai donné les rapports, parce que voilà, j'ai rien à me cacher, et quand ces mecs-là, on leur demande de rendre compte ou quoi que ce soit, ils nous répondent pas ou ils sont incapables de dire quelque chose. Regardez, intéressez-vous aux vidéos de Blady, regardez les commentaires dans ces vidéos, regardez les commentaires sous ces vidéos YouTube, dans ces gameplays. Je veux dire, là, les gens sont pas cons, je suis pas le seul à le suspecter de tricherie, je suis pas le seul à donner cet avis-là. Et puis si en général je dis quelque chose sur quelqu'un, c'est que je le pense vraiment. Des fois je fais peut-être la bêtise de le dire en vidéo, c'est clair et net, ça c'est clair et net. Mais vous savez très bien comme moi que, autant dans la vie réelle que dans les jeux vidéo, on peut pas forcément apprécier tout le monde, et on peut pas forcément avoir un avis positif sur tout le monde. Il y a plein de grands joueurs, et des chouettes mecs j'en croise tous les jours en jeu. Surtout vous, je vous remercie pour la plupart, ou de jouer avec moi, ou de me faire des petits commentaires en jeu, ou de me faire des petits commentaires sur YouTube. J'ai déjà joué avec plusieurs d'entre vous, et pour certains, vous étiez vraiment balèzes, et ça m'a impressionné. Il y en a certains qui méritent des places beaucoup plus hautes dans le classement, et qui peuvent pas les avoir justement à cause de joueurs comme ça. Et c'est ce qui suscite des réactions comme ça chez moi.
Je suis vraiment désolé si j'ai offensé quelqu'un, je suis vraiment désolé si j'ai été méchant vers quelqu'un, ou si vous partez justement les personnes dont je parle régulièrement dans mes vidéos à cœur. C'est vraiment pas mon but de vous manquer de respect ou quoi que ce soit. Non, moi je suis là pour vous faire passer du bon temps, pour vous montrer un petit peu comment ça se joue dans le top européen et comment j'arrive à prendre des places, à les perdre exprès, à les reprendre. Voilà, moi c'est vraiment. Moi je suis devenu youtubeur en fait dans le but de partager avec vous et parce que je voulais devenir un youtubeur différent des autres. Moi ma vision de YouTube c'est ça. Moi YouTube c'est une grande famille, c'est une grande communauté. J'ai tous envie de vous prendre sous mon aile en fait et de vous montrer entre guillemets comment j'en suis arrivé à ça. Que ce soit dans GRP ou dans d'autres jeux. Parce que j'ai aussi fait de la compète sur CSS et tout ça, donc j'avais envie de partager un petit peu mon expérience. Et ma chaîne YouTube était là pour vous montrer ma progression, comment je suis monté au sommet, comment j'ai pris position dans le top 5, et puis comment justement je reprends position dans le top 5. Parce que je sais pas si vous faites attention, mais hier par exemple en fait, j'étais 3ème. Et puis je me suis fait downgrade à la 55 ou 65, je sais plus. Et là je suis déjà remonté dans les 25 premières places. J'essaye de vous préparer des petites vidéos en fait. Je travaille beaucoup sur la façon dont je fais monter les personnages. J'essaye des games où je fais plus d'attaques, d'autres games où je fais plus de captures que d'attaques, des games où je campe pour voir un petit peu comment ça se passe, puis pouvoir vous expliquer après derrière en commentaire comment ça se passe, comment ranker, tout ça. C'est grâce à justement ces vidéos-là et ce travail-là que j'arrive à vous donner autant d'informations. Donc je disais, le but du jeu pour moi, c'est entre guillemets de former les nouveaux, si je peux me permettre de m'exprimer de la sorte. Et de donner un complément d'information aux joueurs un petit peu plus anciens, auxquels il manquerait en fait certains détails dans les gameplays ou je sais pas moi, qui trouvent qu'ils pourraient gratter quelque chose dans mes gameplays, genre des spot nades ou quoi, parce que c'est vrai que ça, franchement, je suis fier de le dire, mes grenades sont magiques. J'ai beaucoup bossé sur mes lancers de grenades et j'ai trouvé pas mal entre guillemets de spots intéressants. Donc on voit régulièrement faire des cloches, des rebonds, des grenades qui pètent directement à l'impact alors que je joue au retardement. Et c'est ce genre de petits trucs là que j'aimerais vous montrer comment moi, joueur honnête, j'arrive à un résultat comme ça, même en faisant quelques erreurs. C'est tout. Bah, je veux prouver que par le travail, ça paye, et surtout en étant un youtubeur différent des autres, un youtubeur qui partage, qui communique avec ses abonnés, qui joue avec eux, qui organise des choses. J'aimerais vraiment que voilà, il y ait une relation entre nous qu'il n'y a pas forcément entre les autres youtubeurs et leur communauté. Et ça, je trouve ça dommage. Et du coup, je me suis dit, merde, bah tant pis, je vais me lancer et puis je vais essayer de monter mon petit truc à côté. Voilà, sachant que pour le moment je fais très très peu de bénéfices, faut le savoir, voire quasiment pas du tout des fois. C'est même pas un complément de revenu, on peut pas dire ça parce que ben, voilà, j'ai rien du tout. Et pourtant le peu que je gagne, et ben je vous le fais gagner. Voilà, c'est des jeux concours. Pour l'instant il y en a eu deux, quoi. Les boîtes et les clés CD Call of Duty. Et j'aimerais bien que ma chaîne grandisse, je vous le dis très clairement. Oui, j'aimerais devenir populaire, beaucoup plus populaire. Et vous savez pourquoi? Qui dit populaire, dit beaucoup de vues. Qui dit beaucoup de vues, dit une monétisation importante. Et qui dit monétisation importante, pour moi, dit grand projet. Les jeux concours seront beaucoup plus intéressants pour vous. Dans le sens où, moi, mon projet, ça a toujours été de monter une communauté gaming. J'ai toujours pensé aux autres. Je me suis mis dans le cas de figure où en fait, moi j'avais 14-15 ans et je regardais les vidéos des grands youtubeurs et je me disais, mais merde, moi aussi j'aimerais arriver à des trucs comme ça, moi aussi j'aimerais avoir cette machine là et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que des gens n'en avaient pas la possibilité et tout simplement j'aimerais les aider. Je me suis dit, si jamais mon projet fonctionne, bah, je pourrais tout simplement partager, faire gagner pas mal de choses comme Squeezie, Cyprien et compagnie pourraient le faire, mais ne le font pas. Et je trouve ça très dommage. Pourquoi pas profiter de cette notoriété pour les autres. Voilà, style de faire la seule et unique action que Squeezie ait faite comme ça communautaire, c'était reverser, enfin faire une collecte de dons, parce que bien sûr il n'a pas donné l'argent qu'il a gagné pour une assos ou quoi, parce que
je comprends tout à fait, hein, bien sûr, on va pas non plus se brouiller là-dessus. Mais il a réussi à donner 24 000 euros, je crois, à une association. Donc, franchement, c'est super génial. Et PewDiePie reverse aussi à peu près 90% de ce qu'il gagne à des associations. Et je trouve ça super noble de leur part, vraiment. Mais moi, du coup, j'aimerais le faire, mais pour une communauté gamer. J'aimerais investir dans une communauté gamer. Aider les gens, leur fournir du matériel, les plus démunis, organiser des jeux concours, faire gagner des jeux en masse. Faire gagner des jeux en masse. Et ça, franchement, c'est le grand projet, c'est le grand projet de ma life, tu vois. J'espère quand même que ce petit vous à moi vous plaira. J'ai quand même pris le temps et je vous ai accordé une demi-heure pour me justifier quant à ce que j'avais vu. Parce que ben voilà, ce commentaire m'a vraiment interpellé et puis je me suis dit, il est sûrement pas le seul en fait à se dire ces choses-là. J'espère que vous regarderez la vidéo jusqu'au bout. Je me suis un peu donné du mal à le faire quand même. Hein. Voilà. N'oubliez jamais que s'il y a quelque chose à changer, s'il y a quelque chose à améliorer, ou tout simplement si j'ai fait une boulette, vous avez tout à fait le droit de me le dire. C'est pas parce que je suis sur YouTube ou que je suis dans le top 5 Europe, que je suis un cran au-dessus, que j'ai le droit de manquer de respect à qui que ce soit. Faut bien se mettre ça dans la tête. On est tous des hommes, on est tous au même niveau. Et encore, pour les plus vieux, vous avez le droit, logiquement, à plus de respect que les autres, dû à votre ancienneté, ce que je trouve légitime. Sans vouloir vexer personne, toujours, hein. On sera bien d'accord. Non, ce que je disais, c'est que voilà, moi je me considère pas du tout un cran au-dessus, c'est clair, je suis fier de mes capacités dans les jeux vidéo, même dans le sport, je suis assez performant, et pas parce que je suis meilleur que les autres ou que j'ai plus de talent. Le talent, c'est naturel. Le talent, c'est naturel. Le skill, il dépend du travail qu'on fournit, et je suis fier de pouvoir dire, oui, j'ai du skill. Parce que j'ai travaillé, je me suis entraîné, voilà, le résultat est là. On me dit, ouais, il est vantard ou quoi que ce soit. Non, c'est pas vantard. J'ai pas dit que j'étais talentueux ou quoi que ce soit. J'ai dit que j'avais du skill. Et avoir du skill, c'est travailler pour avoir son niveau. On peut être skillé dans le sport, skillé en cuisine, n'importe où. Voilà, c'est un mot du vocabulaire anglais qui veut dire niveau. Comment dire, le potentiel, les capacités, les aptitudes. Alors que voilà, le talent ne dépend d'aucune de ces caractéristiques-là. Moi, je suis fier de vous présenter des gameplays comme ça. Je suis fier de ce que je représente, je suis fier de mon niveau. Mais en aucun cas, comme dit, je me présente comme quelqu'un de supérieur ou ayant plus de valeur que les autres. Donc c'est pour ça que je vous invite encore une fois, si jamais j'ai fait quelque chose de travers ou quoi que ce soit, vous le dites. Vous me redescendez sur terre. Moi, tous les jours, je lis ma boîte de réception YouTube. Je regarde mon Facebook, ce qu'on m'a écrit. Je regarde les commentaires. Des fois, pour vous faire plaisir, je prends un petit peu de temps et je réponds à vos commentaires. Peut-être pas systématiquement non plus, parce que, voilà, je veux dire, à côté, j'ai un travail, j'ai une chérie, j'ai un forum, un Facebook à m'occuper. J'ai une équipe à faire tourner, j'ai ma chaîne YouTube à m'occuper, j'ai les gameplays enregistrés, j'ai les commentaires à faire. Donc je veux dire, voilà, ça me prend vraiment énormément de temps. Et j'ai peut-être pas forcément le temps de répondre à tout le monde sur YouTube, donc j'en suis désolé. J'essaye de répondre un maximum à vos commentaires et j'essayerai de le faire de plus en plus souvent. Et j'ai aussi les gens en jeu qui me PM pas mal. Vous le voyez de temps en temps sur mes vidéos, il y a des moments où je me fais bâcher par les abonnés. Alors c'est clair, ça me fait super plaisir, mais par contre quand je suis au milieu d'une game ou d'un commentary que je suis en train de filmer, c'est pas forcément toujours possible pour moi de vous répondre non plus. Ça forcément, ça me pose problème. Donc des fois je me mets à votre place, vous devez vous dire mais putain, mais quel connard ce mec, il est dans le top 5, il prend même pas la peine de me répondre, il mériterait de mourir dans les flammes de l'enfer, tu vois. Je comprends un petit peu votre sentiment, mais il faut juste vous dire que déjà des fois c'est un petit peu tendu, j'ai déjà des games super chaudes hein, qui me mettent assez sous tension. J'essaierai de vous publier une vidéo où je suis un petit peu, je vais dire en colère, parce qu'on n'est jamais en colère de jouer aux jeux vidéo, mais voilà, comment dire, un peu sous pression, un petit peu vénère, parce que ça campe et tout. Comme là, le gameplay que je vous présente, c'est clair, il est pas des plus magnifiques, mais comme dit, c'était un entraînement. Et puis je voulais montrer à Alex un petit peu comment faire. Et il s'est totalement chié. Il a même des problèmes d'AIM maintenant, parce qu'elle a descendu. Je lui ai trop fait descendre ses DPI, du coup il a un petit peu de mal. Enfin voilà quoi.
Dites-vous que cette expérience, j'essaie de la partager un maximum avec vous. Tout ça, bah, je le fais pas pour moi, enfin si, mais je le fais pour vous. Tout ça, je le fais pour vous. Partager, échanger, communiquer, vous donner mon avis, tout ça, c'est pour vous. Ouais, c'est cadeau, c'est cadeau. Carrément, c'est cadeau. Non, clairement. Je sais plus trop quoi vous raconter parce que je pense que j'ai un petit peu tout dit. On arrive à la fin du gameplay tout doucement. Je me suis expliqué sur ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, puis ma façon de voir les choses. Il faut dire aussi en ce moment que JRP c'est devenu un petit peu tendu. Pas mal de cheaters qui sont de nouveau en place, donc ça suscite pas mal de questions et puis on se méfie un petit peu de tout le monde. J'espère que vous l'avez pas trop mal pris. J'espère que vous avez apprécié justement ma justification quant à ma position par rapport à certains joueurs. Et que vous me donnerez très très vite des retours là-dessus. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. On est déjà 4000 ensemble. Ça me fait super chaud au cœur. J'espère qu'on sera encore plus nombreux d'ici un certain temps. Je vous fais de gros bisous. C'était Impulse en direct de la toile pour vous servir. À la prochaine. Ciao, ciao.